Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Command & Conquer 3 à Fleur de Ken. Et on reprend, c'était la dernière fois dans Wong Fu de ce jeu. Il était temps maintenant d'aller récupérer le Tacitus que Julie nous avait repris depuis longtemps. Vous n'êtes pas humain. Kane peut vous croire, mais pas moi. Cabal vit en vous, mais vous êtes bien plus que ce que Cabal était. Mais Kane veut le Tacitus, et je suis fidèle à la cause. Et à lui. Je suivrai tous ses ordres. Le signal du Tacitus vient de revenir. Vous devez trouver l'artefact. Il faut le capturer pour Kane. J'ai peur, si vous le trouvez, que vous ne deveniez quelque chose d'obscène. Cabal et son armée cyborg a tué de nombreux innocents, assassiné mes parents. J'espère me tromper sur vous, Légion. Je prie pour nous tous. Tacitus Interrupus. Je sais pas comment ça se dit. Grâce à vos contributions, Tacitus a enfin pu être localisé. Il se trouve actuellement en Chine continentale dans un combat sécurisé de Zocom. Il a apporté nos mains, mais il y a un imprévu. Il paraît que le conseil veut l'évacuer par voie maritime, mais comme vous le savez, nous ne sommes pas en mesure de contrarier la marine du jeudi. Il faut capturer le Tacitus avant. Détourner le convoi, capturer le Tacitus et rapporter le Haken. L'ascension est proche. Légion, le Tacitus a été localisé en grande partie grâce à votre connexion unique. C'est la volonté de Kane. Nouvelle transmission. Légion, le Zocom évacue le Tacitus. Attaquez leur convoi avant son arrivée sur les docks. Ce qui m'interpelle... Ah, les délices orientaux. Charles Scorpion. Ce qui m'a toujours interpellé... Le docteur Giraud est très coopératif depuis sa capture. Son savoir sur la liquéfaction a permis d'améliorer notre technologie. À un point que personne n'aurait imaginé, sauf le premier. Kane est ravi. Vraiment. Construction. Nouvel objectif bonus. Signal Tacitus détecté. Et des soucis de traduction, je pense. Division seule. Ce qui m'interpelle, c'est que les messages de Kane, il n'y a pas de voix dessus. On va se défaire. Unité attaquée. Ce qui est important, c'est en fait, vous foncez dessus, vous endommagez le VCM, et après vous repartez. Le Tiberium. Descendez les escortes. Division seule. On va les avoir. C'est parti. Voilà, c'est bon. Maintenant, repli sur la base. En construction, nouvelle transmission. Le Zocom entrepose le Tacitus sur ce chantier. Capturez-le. Voilà. C'est pour ça que l'assaut rapide devait avoir lieu. Construction terminée. Alors, hop. En construction. S'emparer de ce chantier. Je pourrais me permettre, je suis en train de réfléchir à mettre ça partout, mais j'ai peut-être fait une boulette, je sais peut-être pas le faire. Unité attaquée. Ils sont faits. Division Char. Char Scorpion. On est parti. On est prêt. On progresse. Construction terminée. Option pour nouvelle construction. Ça, je récupère. C'est tout proche. Je le sens pratiquement d'ici. En construction. On les tient. Construction. Char Scorpion. En construction. En attente. Annulé. En construction. On est prêt. Allons voir ça. Donc les troupes de Zocom sont passées à tuer, c'est les démolisseurs qui sont chargés. On est parti. Construction terminée. Progresse. Notre base est à la ligne. Comme d'hab. Sélectionnez une cible. Sélectionnez une cible. Bah quoi que. Sélectionnez une cible. Construction terminée. Une petite bombe à vapeur et à faire régler. Oh là là. Construction. Allons à la chasse. Voilà, sélectionnez une cible.
Je sais, je balance beaucoup de matériel pour pas grand chose, mais c'est nécessaire pour. Mon erreur, ça n'a pas été de faire tout de suite le. Pas grave. C'est le ratio initial qui est toujours ultra violent. Il faut qu'il détruise ça. On a les roquettes. Sur qui on tire après? On a les roquettes. C'est les ça. Les roquettes par là. On a les roquettes. On les tient. On a les roquettes. Prudence avant tout. Roquettes prêtes. On change de coin. Gardons nos distances. What? Construction terminée. Ah ouais. Et là j'ai flippé 2 secondes. Que j'ai vu la tour totalement disparaître, j'ai. On peut tout dégommer. Collecteur attaqué. Entraînement. Prudence avant tout. Ah oui, je rends ma peine. On a les roquettes. Il y a un petit bug avec ça en fait, cette capacité. Collecteur perdu. On a les roquettes. Les roquettes sont ici. D'ailleurs, toi, tu vas me changer de champ. Si ça bouge, on tire. Je vais vous montrer le bug. Sélectionnez une cible. Ça coûte 2000, on est d'accord. D'ailleurs, décaler un petit attaqué. Peu ici. Ça coûte 2000, ça manque déjà 2000. Ça m'enlève encore 2000. En fait, ça vous enlève 4000 cette capacité. Optimisation terminée. Je ne sais pas d'où vient ce bug. On va les avoir. On change de coin. Maintenant, ils peuvent pas s'échapper. On les tient. Roquettes. Les roquettes par là. Je sais qu'ils existent. Voilà. Donc, la technique. C'est n'avoir que 4000 en banque quand vous utilisez cette capacité. Ressources insuffisantes. Que si vous en avez trop, vous gaspillez. Voilà, c'est. Et je pense qu'on est tous d'accord, gaspiller des ressources, on n'apprécie pas trop ça. Donc, rapide explication pour cette capacité-là est ultra destructrice et ça vous permet en fait de détruire déjà de un tout petit biérum du champ. Ce qui fait que l'ennemi perd énormément de tibérium et autres, hein. Donc, ce qui est parfois non négligeable. Bon, faire un obélisque. En construction. L'avantage, ça surtout détruit l'économie en fait d'un joueur. Ça vous coûte cher. Par contre, bien utilisé, ça peut déjà de 1. Alors, cette mission-là, c'est pour nous montrer le fait que maintenant, ça sert plus à rien de construire à côté d'un champ de Tiberium à part vous foutre en l'air. Vous avez une node en face. On ramasse tout ce qu'on peut. Clairement, c'est ça. Hein. Vous jouez contre le node, vous foutez en l'air économiquement. La liberté par les armes. On s'arrête pas. Si vous ne me croyez pas, ben je viens de vous prouver que là. Hein? Voilà. Là, normalement, la défense est bonne. De mémoire, il y a des caisses ici. Qu'on va aller chercher. Qu'on va aller chercher avec une équipe furtive. Bien évidemment, continuer ici à mettre des importations de Tiberium. Parce que ces champs-là, vous videz plus vite que vous les renouvelez, en fait. En temps normal. Important à le savoir. Je crois qu'ici il y a un porte-avions du GDI. Escadron furtif à vos ordres. Escadron furtif. Si je me souviens bien. Sans de toute façon, on va s'occuper de tout ça. Hein. Voilà, ça c'est fait. Les ailes du Nord. Donc 2 tours au Tiberium là, plus une dans la ville. Ça suffit qu'il n'y en a pas une deuxième, si bien ça, il n'y en a qu'une dans la ville.
Et je me suis trompé ici, y'a pas de... En silence. En douceur. En silence. Oh, y'a une petite technique que j'utilise. Mode furtif. C'est vous pouvez vous créer une base Zocom dans cette mission. Sans un coup. Notre base est attaquée. Bah, vous capturez ce bâtiment. Sélectionnez une cible. Oh, je mets bien le plus loin possible du champ dans les centrales pour être sûr de les détruire en fait. Unité voilà. Ennemie en vue. Vous voyez, encore 4 centrales qui ont sauté. Mais étrangement, cet émetteur sonique est encore debout. Voie dégagée. En douceur. Mode furtif. On y va. Par ici. En silence. Bon. Vous savez ce que ça veut dire, artillerie spectrale. Hein. J'arriverai pas à avoir un coup d'explosif. Donc on change de plan, on passe à artillerie. Unité ennemie en vue. Disons en fait la vraie utilité de ça, comme je peux le dire, c'est de faire en fait exploser juste le Tiberium. Voilà. Notre base est attaquée. Pas de Tiberium, pas de ressources, ben voilà. Ça coûte certes ultra cher à utiliser. Je dis pas que c'est ultra rentable. Bien au contraire. Mais par exemple, vous avez un joueur adverse qui contrôle en permanence un champ de Tiberium bleu. Vous foutez ça dans un champ de Tiberium bleu, vous foutez en l'air son économie par exemple. Surtout que du Tiberium bleu ça se renouvelle tellement lentement. Tu vois. Cependant, cette capacité là vous l'utiliserez quasiment jamais. Construction terminée. Vous utiliserez plus souvent en fait la bombe à vapeur que la capacité là. En construction. Parce que la bombe à vapeur au moins c'est... Vous êtes sûr à coup sûr de pouvoir avancer sa souris. On se bouge. Par ici. Allez, allez. À l'attaque. Soldats. Me dire qu'est-ce que je suis en train de raconter. Coup sûr, avancer sa souris ennemie. Ben, une bombe à vapeur, vous pouvez envoyer n'importe où sur la map. Donc sur les troupes ennemies. Or que ça, c'est économiquement que vous visez. Or que... Pour moi, déjà, l'économie, vous pouvez la détruire avec un missile catalytique. Vous lancez ça sur une raffinerie. Voilà, quoi. Vraiment, bon, après, voilà, c'est un avis personnel, comme d'hab. Qui n'engage que moi. Unité attaquée. Unité ennemie en vue. Unité perdue. Sélectionnez une cible. Escadron furtif. En douceur. C'est eux ou nous ! Continuons ! Ils veulent ma peau ! Continuons ! Allez, allez ! Là-bas ! L'oppresseur doit mourir ! Qu'ils y passent tous ! En réparation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un émissaire et je vais construire ici en fait une raffinerie. Ça m'évitera de devoir construire régulièrement des... Sur le court terme, c'est pas rentable. Sur long terme, c'est beaucoup plus rentable étant donné que je perdrai beaucoup moins de collecteurs, tout ça. Donc j'aurai beaucoup... J'aurai moins besoin en fait de réinvestir dans le champ en fait. Notre influence croît. Après, aux techniques, c'est de déployer un émissaire là et mettre les troupes là, aux défenses là. C'est aussi une technique qui veut s'étendre. Le node doit exécuter ses plans. Voyons. C'est notre destinée.
Voilà, encore d'autres unités. Globalement, ils sont pas encore trop. Maintenant. Trop dérangeants, je trouve. Oui, hein. Cette terre appartient au Nord. Oh mince, j'avais oublié qu'ils avaient. Qu'ils patrouillaient là. Bon, bah, ben, obligé de faire une technique A. J'ai totalement oublié qu'ils patrouillaient en permanence. Le souci, c'est qu'il me faut en permanence ces ressources de ce champ-là. C'est l'heure de la moisson. Et ce champ-là, j'évite de trop utiliser, parce que vous voyez, je vis plus vite que qu'il se remplit. Le Tiberium est la réponse. Mais nous aventurons pas trop loin. Unité ok, ok. Voilà ce qui est énervant en fait. Le problème c'est qu'il faut deux fois du ravitaillement pour qu'il soit rentable le collecteur. C'est l'heure de la moisson. Que un ravitaillement c'est 1400 de tiberium. Ça on va pouvoir vérifier bientôt. Deuxième mort c'est 1400 et c'est 2008 pour le bleu, à moins que les chiffres aient changé dans ce standalone. Mais la mémoire c'est même que dans le premier. Unité ennemie en vue. Toc 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 toc. Tiberium est la réponse. Ah. Allons voir. 1400. Ce qui fait que si vous perdez un collecteur alors qu'il ne vous a donné qu'un voyage, vous ne pouvez pas vous repayer un collecteur avec ce ravitaillement. Le Tiberium, on ramasse tout ce qu'on peut. Le Tiberium, c'est le pouvoir. Le Tiberium est la réponse. J'essaie de réparer un peu quand même, parce qu'il faut pas. Le Tiberium, c'est le pouvoir. Allons voir ce qu'il se passe. Les champs viennent. Doucement. Sélectionnez ici. Le Tiberium est la réponse. Le Tiberium nous libérera. Ouais. Cette terre est riche. Okay. Maintenant je vais les laisser tranquilles ces collecteurs. S'ils sont détruits, ils sont détruits. S'ils ne sont pas détruits, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que ils m'ont fait ce qu'ils devaient me faire, c'est-à-dire me rapporter au moins deux ravitaillements. Chacun. Ouais. De toute façon, moi quand j'ai une mission, j'ai pas besoin de viser à avoir plus que ce que je me suis fixé. Hein. Donc maintenant, on va bientôt pouvoir se faire retirer Spectral, mais avant, on va quand même sur l'usine de Redempteur. Construction terminée. On va quand même pas trop abuser. Hein. Option de construction. Unité ennemie en vue. Sélectionnez ici. Et là, on va se construire un Redempteur avant de construire notre artillerie spectrale. Donc, pour ceux qui avaient un doute par rapport aux priorités des obélisques de lumière, ils obéissent tirer en priorité s'il y a un choix entre l'infanterie ou les véhicules, ils réserveront en premier les véhicules. Pour ceux qui avaient peur à un moment de la priorité des obélisques, non, c'est toujours les véhicules. Donc ensuite, je vais mettre deux escadrons lance roquettes dedans, dans Redempteur. On a les roquettes. On a les roquettes. Les roquettes sont ici. Gardons nos distances. Quoique, c'est tellement nul ces roquettes. Allons voir ça. C'est tellement nul ces roquettes que je vais plutôt mettre deux escadrons de man. En fait, je mets toujours en fait des roquettes dedans, parce que c'est toujours la faiblesse du Redempteur, c'est qu'il n'y a pas d'entière pour donner au moins un petit peu d'entière.
Je vais tous les briser. Cependant, bah, le tour des gommés. Je vais maintenir, je vais quand même rester dessus pour l'instant. En avant, pour chasser-les. Ah, j'en ai perdu encore. Bah, ils sont ultra, ils ont été ultra rentables. Sans exception. Aucune pitié. Oh non. Collecteur attaqué. Oh non. Je vais oh non. Non. Il s'est qu'éblé. Je serai disponible. Camouflé à mort. Le con, il s'est bloqué. Je pourrais. Je vais en fait attendre qu'ils tirent sur dessus. C'est quand ils tirent dessus, ils vont péter les tourelles. Non, ils vont pouvoir se passer. En fait, c'est la tourelle a dû se reconstruire en même temps que l'unité s'est passée dessus et ça a dû apoquer. Unité ennemie en vue. Enfin, je pense que c'est ça. Spectre présent. Activé. Collecteur perdu. Nous sommes prêts. Par ici. Prêt à frapper. Sélectionnez une cible. Balise en vue. Unité attaquée. Sélectionnez une Youhou cible. Alors pourquoi je bombarde ça? Déjà de 1 pour détruire le collecteur. Hein. Oh il s'est débloqué! Génial! Il s'est débloqué! Voilà, maintenant que le but c'est de regarder à fond. Unité ennemie en vue. D'accord, il sait exactement où sont mes centrales. Sélectionnez ici. Ouais, là je vais vous montrer si on met pile au milieu. Voilà. Bien équilibré. C'est pas que c'est bête, mais bon, là on a, rien détruit. Sélectionnez ici. Que la lumière soit. C'est assez dérangeant. Moi je trouve que c'est bien. Voilà. Va mon protecteur de collecteur. J'en ai dû en perdre un d'ailleurs. Puis on compte plus qu'un qui se déplace. Nous sommes prêts. Camouflé à mort. Unité ennemie en vue. J'attends. Opération lancée. Alors ils prennent les bâtiments là-haut. Intéressant. De toute façon, l'IA de manière. Faut savoir que c'est une IA difficile. Faut se dire qu'il joue comme une IA difficile, l'IA qu'on affronte. Et l'IA difficile essaie toujours de récupérer le plus de bâtiments possible. Avec des scripts, bien évidemment, c'est une campagne. Mais ça reste, de manière générale, une IA difficile qui joue. Donc, unité à mort. Furtif en attente. Mode furtif. Un balise a sauté. La rédemption. Très bien. En avant. J'aurais dû faire sauter. J'ai pas réfléchi, mais j'aurais dû faire sauter mes chars explosifs avant. J'aurais pas besoin de refaire un tir de d'artillerie dessus. Rédempteur en position. Gagnez le sol. Et pour maintenant envoyer un saboteur dedans. Ce bâtiment là, ils peuvent pas le vendre, donc de toute façon, ils croient mes clous avec. La mort rôde. Et. Vous avez raison, oh, j'ai oublié la tour aérienne avant que vous me mettiez en commentaire, j'ai totalement oublié. Ils ont peur de moi. Ce qui peut m'être très utile quand même. Concentré. Voici la cible. Construction terminée. Par ici, prêt à frapper. Sélectionnez une cible. Je réfléchis en fait pour cette mission, est-ce que j'ai besoin de la tour aérienne? Unité attaquée. Furtif en attente. Sans unité promue. Mode furtif. En soi, non. En silence. Optimisation terminée. La rédemption. En fait, en soi, je n'aurais pas besoin de la tour aérienne dans cette mission. Unité je pourrais en passer. Furtif en attente. En douceur.
Cependant... La main noire... Par ici. Mode furtif. Par ici. Nous sommes prêts. Sélectionnez une cible. Nous avons des armes. Cependant, la mission sera plus simple avec... Puissance maximale. Que des Venom, ça sera toujours utile. Donc pour l'instant, je fais sauter recherche avant. Unité attaquée. J'attends. Très bien. Par contre, dans une ville, les Redempteurs, vous mettez des lance-flammes. Quand c'est qu'une immense ville intacte, nous sommes les élus. Ce n'est pas le cas, parce que la majorité de la ville est en ruine. Vous mettez des lance-flammes pour neutraliser les bâtiments. J'attends. De toute façon, faut toujours accompagner votre Redempteur d'unité. Ils nous craignent. Ils ont peur de moi. Nous sommes non, un Redempteur seul est faible. Système de combat. Pareil. La main noire. Moi, j'ai beau avoir amélioré avec nous avons des troupes. Enfin, cerner la zone. J'ai beau avoir équipé de lance-missiles. Hein. Ils nous craignent. Ça reste un Redempteur. Une arme ultra puissante contre les troupes au sol, mais beaucoup moins contre l'aviation. En réparation. Prêt à frapper. Unité escadron furtif. On y va. Je suis là. Très bien. Il reste des choses à faire. D'accord, si le bâtiment a été neutralisé. Ils nous craignent. De toute façon, je me dois de neutraliser toute l'ancienne. Opération lancée. Ils nous craignent. Le lance-flamme est plus efficace. La victoire est au bout. Alors, je sais que ça peut vous paraître surprenant, mais j'aurais besoin de plus de bâtiments possibles par la suite pour les transformer en fait en bastions avec des escadrons de lance-missiles dedans. La rédemption. La main noire a gagné. Surtout que centre. D'autres résistances. Nous sommes les ennemis. Ils sont assis. Il reste des choses à faire. En réparation. En réparation. Puissance maximale. La main noire là-dedans. Bah, on ça... Ah mince, j'ai perdu une tia, j'ai pas fait gaffe. Chaud devant. Ils nous craignent. En avant. Il reste bon, la mission risque d'être longue par contre. J'ai bien raison, il y a bien un porte-avions ici. Mission en avant. On nous a abandonnés. Un énième portable. Ah, il me reste un bâtiment. J'attends. Enregistré. Très bien. La réaction. Opération lancée. Enregistré. C'est bizarre, il peut pas attaquer dessus. Ah. Bon, mon Redempteur va monter à colline et détruire ça. Hein. Sélectionnez une cible. Mais avant, je vais lui faire un petit passage. Vous voyez, ça vient de se finir et j'ai encore perdu 2000. La machine de Kent. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais moi ça m'a surpris. Unité attaquée. La rédemption. Pour la force, on s'habitue. Opération lancée. Et vu qu'il reste une centrale, leurs défenses sont encore opérationnelles. Cependant, une seule défense contre un Redempteur. Voilà. La victoire est au bout. Gare. Idiot. Opération lancée. Ah. La victoire est au bout. De toute façon, je dois tout détruire. C'est pas compliqué. Tant que mon Redempteur est pas dernier level, ça m'aidera pas. Or pourquoi je me détruis toute leur base là annexe, c'est pour éviter que je dis par la suite une fois que je capture ce bâtiment, ne l'attaque. Ils sont insignifiants. Donc c'est en gros je prévois en fait l'évacuation. En empêchant son interception.
étoile aussi loin. Toute résistance est futile. J'y vais. Le démon petit Birium dans la volonté du mal. Sélectionnez une cible. Des ennemis. Il y a tellement plus. Bah, une fois que ces dernières centrales sont détruites, c'est bon. J'y vais. La rédemption est proche. Ils vont goûter par la volonté du monde. Allez, tu pètes tout. Système de combat activé. Très bien. Vous imaginez une bête comme ça qui vous passe dessus? Et maintenant je peux commencer à me construire mes Venom. Voilà, maintenant, voilà ce qui se passe quand vous avez un rédempteur d'Ernegveg. Ça calme, hein. Vaisseau Venom prêt à décoller. La victoire est au bout. Ouais, c'est pour ça que... l'Hexapod, je crois que ça s'appelle comme ça, sur des screens, était si fort dans la mission d'avant. Il était avec 3. C'est juste parce qu'il était avec 3 qui était aussi fort. Même si, c'est par... même si c'est dur au début à le croire, mais voilà, là je vous montre que le simple fait de passer de level 2 à level 3 vous booste tellement la puissance de feu. Là, de toute façon, ils appelleront Kamamout, donc moi j'ai aucune crainte, là je passe tout seul leur défense. Voilà, là leur défense, je la passe. Et sans rien faire. Voilà. Bon. J'aime aussi que j'abuse du fait que j'ai une très bonne défense dans ma base et que l'ennemi ne puisse pas vraiment me détruire ma base. Et que l'ennemi n'a aussi pas de quoi déployer de moyens anti-redempteur. Dire beaucoup d'aviation que malgré qu'elle soit améliorée par la avec des roquettes qui font mal, des orcas ou des raids de firehawk sont restent quand même très efficaces en solité. Voilà, hop. Ouais, c'est la vitesse en fait qui régénère son tir qui rend tellement fort un Redempteur. Redempteur VBC, VMC, VBCI, je sais plus le nom qu'il me redonne. VQ Mammouth Planet d'intervention, VMBI, voilà. En anglais c'est Marv, je crois, ou Mars. De toute façon, là, moi je vise rien d'autre que neutraliser toutes leurs troupes, de toute façon.
Voilà, c'est pas plus simple que ça de toute façon. Cependant, faut savoir que c'est vrai que j'en abuse un peu du Redempteur, mais c'est normal. C'est l'arme ultime de n'importe quel arme, c'est votre arme ultime en tant que mode, faut en abuser. C'est comme arme nucléaire, normalement il faut que je construise un silo nucléaire, mais j'en ai pas besoin. Venom prêt à décoller. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Reçu. Mes Venoms sont opérationnels maintenant. Je reprends les nettoyages de la ville. Les lâches vont mourir. Et mon but c'est pas de tuer les. Toute résistance est futile. Je veux pas détruire les bâtiments. Dans mon plan, ce qui serait optimal, ce serait que je récupère tous les bâtiments de la ville. Pour y foutre des escadrons dans ce roquette dedans. Une démonstration. C'est dans le point principal. La victoire est au bout. Opération. C'est pour ça que vous voyez que je me suis mis en mode entre guillemets petit bras. Il n'attaque plus tout ce qu'il bouge, hein. C'est moi qui lui donne les ordres d'attaque. Nous avons des ordres. Nous sommes maîtres. Ensuite, on a 3 saboteurs à construire vu qu'il y a 3. La machine de guerre. Sigurd Siberium. Qu'est-ce qu'il vous faut? La confrérie. 2 à droite, 1 au centre. Je peux être utile. Unité attaquée. 1 au centre. Par la volonté du Nord. Enregistré. Une mission, un objectif. Puissance maximale. Opération lancée. Ce qui est interpellant quand même, c'est que. La rédemption. C'est pas venu du tout au GDI, l'idée de réparer quand même son. Ils sont ainsi. Son VCI, ça vient jamais à l'idée de le réparer. Le GDI attaqué. La rédemption. Une mission, un objectif. Donc maintenant je vais neutraliser tout ça. Puissance maximale. Base ennemie. Ah non, il y a 15 sigos à droite. En avant. J'étais persuadé qu'il y en avait 2. Je peux vous aider. Bon bah lui il va me capturer ça là-haut. Attends. Pourquoi aussi j'utilise le grand slam ces unités là et pas le char en slam. Entraînement. On a les roquettes. Unité. Ils ont 21 par truc. Ça fait 14 bâtiments qu'il faut occuper. On a les roquettes. Qui me paraît un bon nombre. On a les roquettes. Cerner la zone. On a les roquettes. Et maintenant, je peux. On a les roquettes. Si ça bouge, on a les roquettes. Là, ça va vraiment la phase en fait un peu chiante du jeu de la partie. C'est le moment où je vais bourrer la ville de l'entrée. On a les roquettes. On a les roquettes là-bas. On a les roquettes. Ressources insuffisantes. On a les roquettes. De toute façon, c'est normal. Il y a toujours des phases un peu moins intéressantes que d'autres, mais on fait avec. Hein. Ça a l'air bon. Enregistré. On a les roquettes. Une démonstration. Si ça bouge, on tire. Et là maintenant, je vais me prendre en fait tous les bâtiments que je peux prendre. Unité ennemie en vue. Après, peut-être que vous avez trouvé à raison sans que je vous la dise. Il y a quelque chose. Confirmé. Mais c'est un rapport pour la suite de la mission. Ça, c'est. Okay. Ça, de toute façon, c'était pas dur à le savoir. Ouais. On s'approche. On a les roquettes. On a les roquettes. On est parti. Je fais pas que des tours avec des troupes standards. C'est étonnant. Sur qui on tire après? On a les roquettes. Tout dégommer. On a les roquettes. Prudence avant tout. Ou trois. Gardons nos distances. Sur qui on tire après? Si ça bouge, on tire. On a les roquettes. Sur qui on tire après? On leur fait pas des tirs au porte-avions. Faut pas les perdre. Non. Reçu. Ah mais ils sont pas joueurs. Reçu. Base ennemie. On est combien? 17, mais on faudrait une nouvelle des squads. Allons voir ça. Les roquettes sont ici. Les roquettes par là. Alors, je sais que c'est vraiment étonnant, il n'y a que des escadrons dans ce roquette que je fais. Allons voir les roquettes.
Ce qu'on risque de se prendre, c'est se prendre un énorme raid de véhicules, que ça soit aérien ou terrestre. Ces véhicules étant des véhicules pour les assauts frontaux, des véhicules, on va dire, adaptés pour affronter frontalement une position ennemie, quelle qu'elle soit. On a les roquettes. Prudence avant tout. Roquette prête. Sur qui on tire après? Ça a l'air bon. Et voilà. Après, gars, on... à ce niveau-là, c'est bien. Par contre, ce souci, c'est qu'à ce niveau-là, j'ai tout rien en fait. C'est pour ça qu'il m'en faudra, je pense, encore bien plus. Et j'ai... avant de continuer, je vais faire deux collecteurs de plus. Si ça bouge, on tire. Là-bas. 2, 3, 4. Oui, mais il y a encore énormément de bâtiments qui me restent encore à récupérer. Patrouilleur, il y a quelque chose. C'est l'heure de la moisson. Et il faudra encore que je fasse des avatars. Nous devons en avoir plus. Sur qui on tire ? Cependant, les avatars, je peux me permettre de pas en faire vu que j'ai un Redempteur de ce calibre. Il va sûrement tomber, mon Redempteur. Je doute qu'il survive de ce qui va m'arriver dessus. Roquette prête. Attendons ici. Allons voir ça. Les roquettes sont ici. Sur qui on tire après? Ouais, après c'est pas grave. Bon. Les roquettes sont ici. Attendons ici. Sur qui on tire après? On peut tout dégommer. Voilà, donc ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. On va dire 15. Il m'en faut 45. Allez, on va aller. Entraînement. À 60. Entraînement. On a les roquettes. On a les roquettes. On a les roquettes. On a les roquettes. Bon, déjà en fait, les Venom à eux seuls vont déjà me faire un énorme bugueux. Nous sommes maîtres des lieux. On a les roquettes. On a Ils vont déjà bien m'aider pour roquettes tout ce qui est anti-aérien. On a les roquettes. Allons voir ça. On a les roquettes. Donc déjà, de ce côté-là, je suis entre guillemets satisfait. On a les roquettes. Les roquettes sont ici. On a les roquettes. On a les roquettes. Roquettes prêtes, attention. Bah, 15 de plus, ça me permet de faire les 5 bâtiments. Nous sommes les élus. On a les roquettes. S'il y a 3 bâtiments qu'on peut encore capturer, on a les roquettes. Nous sommes les renforts arriveront par ici pour information. On a les roquettes. Cernez la zone. On a les roquettes. On a les roquettes. Après, vous pouvez aussi récupérer ces 3 bâtiments-là. On a les roquettes. Les roquettes sont ici. On a les roquettes. Deux de plus qui vont se diriger là. On a les roquettes. Bouge. On a les roquettes. On peut tout dégommer. On a les roquettes. Ça a l'air bon. Allons voir ça. Ressources insuffisantes, ça me surprend pas du tout. Allons voir ça. Vu le budget que j'ai investi dans la défense, là. Si ça bouge, on tire. On a les roquettes. Roquettes prêtes. Attendons ici. Ça a l'air bon. Si ça bouge, on tire. Ouais. On a les roquettes. Soit ils vont là. Roquettes prêtes. On peut tout dégommer. Heureusement qu'ils ont pas de troupes pour nettoyer les bâtiments de contre-attaque. Si ça bouge, on tire. On peut tout dégommer. Tu vois, il suffisait des VBT avec des grenadiers ou on des. A les roquettes. Allons-nous là. Ou autre, hein, par exemple des lance-flammes, etc. Hein, heureusement que c'est... On affronte, que j'ai dit, donc des VBT avec des grenades. Roquette prête. Ça aurait pu être ultra chiant. Allons voir ça. Venez, vous pouvez me prendre le bâtiment en priorité. On a les roquettes. Les roquettes sont ici. 15 de plus. On a les roquettes. Voilà. On a les roquettes. Attention. C'est bien, ça avance, ça avance. Donc, La mort rose. Ça avance plus vite que prévu, donc voilà, c'est assez intéressant. Et au moins, l'avantage, c'est que là, bon, c'est chiant de toujours entendre on a les roquettes, mais bon, on s'y habitue à force. Moi, ça vous permet de profiter un peu du décor et de constater que malgré d'un jeu de 2008, je crois que ça est sorti un an après les guerres du Tiberium. On a les roquettes, on a les roquettes. C'est ça, il est sorti en 2008 le jeu, donc je viens de vérifier sur la boîte.
Sur qui on tire après? Je trouve que le jeu reste joli. Voilà, c'est... On a les roquettes. C'est un bon jeu. Pour moi, c'est un... ça reste un très très bon... Enfin, ça reste, un, bon... Ça reste un très bon jeu, je dirais même. Gardons nos distances. On peut tout qui a quand même eu son heure de gloire et... Voilà, il a quand même vieilli. Si ça bouge, on va pas gagner, hein. On peut tout dégommer. Les roquettes sont ici, on peut tout dégommer. C'était plus ou moins un bon jeu. C'était une bonne partie à commenter, à un moment donné. Mais pour ma part, ça reste le meilleur quand même Conquer qu'ils ont fait. Enfin, quand on Conquer dans Saga Tiberium. Dans Saga Alerte Rouge, c'est Alerte Rouge 2 qui pour moi était le meilleur de la saga. On peut tout dégommer. Sélectionnez une cible. Allons voir ça. On peut tout dégommer. On va en prendre 9. Sur qui on tire après? On peut tout dégommer. Qui vont aller là-haut. Allons voir ça. Ici, il m'en reste 9 pour un bâtiment. Là-bas. Il reste combien de bâtiments en tout? Ici, il y en a encore. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je peux en remplir 3, donc il en reste 6. Entraînement. Entraînement. On a les roquettes. Sur qui on tire après? Roquettes, roquettes. On a les roquettes ici. Si ça bouge, on tire. Tant qu'il y a de la place, on remplit les bâtiments. On va... Pas d'exception, rien. Tous les bâtiments que je peux remplir, je sais qu'il y en a qui serviront à rien. Je sais clairement. En effet, ces bâtiments-là me serviront à rien. Dans ma défense. Cependant, dans le doute... Ah, ici on peut en mettre que deux. Prudence, on a les roquettes. Si ça bouge, on a les roquettes. On a les roquettes. On a les roquettes. Sur qui on tire après? On a les roquettes. Prudence avant tout. Gardons nos je suis certain que j'aurai des troupes qui serviront à rien. Ça, je vais pas le nier. Hein. La, vie, mais la majorité de mes troupes vont servir à rien. Mais. On peut tout dégommer. Pas la majorité. Allons voir ça. Les roquettes sont ici. Gardons nos distances. Il faut savoir qu'une fois qu'on a capturé ça, on doit l'évacuer ici. Donc, le milieu de la ville servira. Tout ce qui est là servira. Cependant, là sur le bord, ça servira, je pense, pas beaucoup. Si ça bouge, on tire. Pour même découvrir, je pense, ça sert même à rien. Et... Si ça bouge, on tire. Voilà, après, c'est. Les roquettes sont ici. Sur qui on tire après? C'est pas le même problème. Oui, il y a même encore des bâtiments. Il y a même encore des bâtiments là. Non, en fait. On peut tout dégommer. Roquettes prêtes. Ça vous mettre utile des bâtiments, c'est une certitude. Si ça bouge, on tire. Je ne sur qui on tire part, après. Prudence avant tout. Autant ceux du port peuvent mettre inutile, autant ce coin là sera déjà plus utile. Roquettes prêtes. Allez, 1, 2, 3. Il en reste 3 puits, 3 là. Ça devrait m'être utile. Ceux-là me seront normalement inutiles, ces bâtiments-là ne seront pas utiles. Enfin, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Avatar, avatar, avatar. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je fasse mon sapeur pour capturer. Et pareil, ceux-là me seront utiles. Gardons nos listes. Les roquettes sont ici, prudence avant tout. Les roquettes sont ici, si ça bouge, on tire. On peut tout dégommer. Parce qu'ils me permettront, comme. Besoin d'un coup de main. Avatar. Ok. Prêt. Avatar. Prêt. Bien reçu. Voilà. C'est. Voilà. C'est. L'avantage, en fait, en y mettant ce bâtiment-là, c'est qu'ils auront une terrienne qui patrouilleront comme ça, autour de la sortie, vous les éliminerez, en fait. Voilà. Ça permet de faire ça. C'est bien, en plus j'ai découvert 3 bâtiments là, ces 3 sont... C'est vrai que c'est pas vite utile quand même. Après, votre technique, c'est d'ici, vous mettez, vous déployez... Avatar. Comment ça s'appelle, des émissaires ici, vous mettez des obélisques et... des tours à découpeuses avec des tours à l'anti-aérienne. Déjà fait, ça marche pas très bien. Il
Ça dit, je me suis même. Ils ont peur de toi. Le coup que j'avais fait cette technique là, je me suis même bien planté. Ça avait pas bien marché, hein. Comptez sur moi. Étant donné que j'ai mis, je m'étais dit au lieu de fortifier à vivre, je vais faire une grande défense KO. En fait, l'ennemi était tellement nombreux qu'ils m'ont surpassé mes défenses. Et Sunthea s'est retrouvé avec, comme seule protection anti-aérienne à Redemptor. En avant. Ce qui est assez problématique. Il faut dire, un Redemptor en protection anti-aérienne, c'est pas un jour, hein. Mais bon, je m'en étais sorti quand même. Je vais tous les briser. Bâtiment capturé. Avatar. Le Tacitus est à nous. Emmenez le VCM ennemi en zone d'évacuation. Ça me va. Dégagez. Véhicule de construction prêt. Ça me va. Ouais. Facile. Ça va être facile. Sélectionnez une cible. Or, je ils nous craignent. J'ai un mec qui est plus que fortifié, là. Avatar. Et mes avatars vont rester en retrait. Le Redemptor va accompagner, mes avatars vont rester en retrait. Ouais, on est prêt. Ouais. What the... Origine de la Vengeance 17. Eh oui! Ceux qui vont nous rendre visite, c'est la Vengeance 17! Dans les nombreux mondes qui jouent que ce nôtre, peu d'organisations inspirent autant de peur et fascination qu'à la culture de la Vengeance 17. Une case de screens mystérieuse et profondément violente qui n'existe pas à exterminer brutalement toute forme de vie assez inconsciente pour utiliser son avancée. Le culte dont il est dit qu'il était jadis une force de pacification prioritaire s'est depuis tourné vers la religion. Ses membres considèrent comme un droit divin le fait de débarrasser les planètes de toute forme de vie potentiellement dangereuse. Les définitions étaient presque entièrement fondées au sein du même culte. Parmi les membres du culte de la vengeance, la 17ème secte apparaît comme génétiquement violente. Elle qui se rend coupable d'actes de barbarie indescriptibles dont certains screens préfèrent ne rien savoir. Les screens sont notamment horrifiés par le pourcentage excessif des éléments de la vengeance 17 pour infection de Tiberum, qui va bien au-delà de ce dont l'espèce a besoin pour survivre. Cette forme d'automutilation marque le fanatisme religieux, a offert une puissance incommensurable à la majorité de ses membres. Tout en multipliant, atrocement, rejetés au sein de leur propre cité, membres de l'Agence 17, continuent à se faire voir sans compte, qui va mettre tout équité sur la planète. Ah, y'a que ça? T'as plus une, L'Agence 17 et sont les seuls screens à avoir un collecteur avec un bouclier. Si les autres screens tentent d'éviter les confrontations directes autant que possible, accusent l'Agence 17, affectionnent les combats et les bains de sang. Ce fait, même ces unités militaires. Utilisateurs ont besoin d'une assistance technologique supplémentaire pour survivre quand ils se trouvent en première ligne. Le meilleur exemple est le collecteur blindé, un collecteur standard auquel les screens sont tout un système de protection calqué sur celui de triple annihilation afin d'allonger son espérance de vie. Et ils sont par contre, ils ont leurs troupes au sol sont ultra puissantes, par contre leur seule faiblesse c'est que leur troupe aérienne se résume à des simples vaisseaux de combat et à des drones. Des ravageurs. La rédemption. En attente. Qu'est-ce que c'est? Hey. On va s'occuper de tout ça. Sur qui on tire après? Les ravageurs ont été détruits, c'est une de leurs meilleures unités maintenant. Tous leurs troupes sont équipées de boucliers, donc leurs blindés de base. Qui sont déjà plus puissants. Donc là, leur blindé découpeur. Alors que blindé armé était à ses yeux une relique archaïque que celui sur les hommes primitifs utilisent encore, le culte de la vengeance a décidé de remettre un ancien au goût du jour. Après une longue période d'expérience abreuvée de rituels de Tibum, blindé découpeur fait son apparition, composé de métal, de chair et de tibérium. Blindé découpeur est tout ce que blindé armé n'est plus. Rapide, résistant et capable de projeter le tibérium, pur à un rythme diabé. Il est plus puissant, plus résistant. A une amélioration pour en lui donner un bouclier. Faut pas les perdre. Ça a l'air bon pour faire. Il est de même avec. Voilà, ça c'est.
leurs tripodes sont beaucoup plus ont comme leur équivalent un bouclier. Voilà, vous voyez ce que je veux vous dire, ils viennent aussi de mémoire, ils viennent aussi de là. Tripode vengeur. A vengeance 17, fasciné à cause sans recours aux infusions excessives de Tiberum, une pratique autodestructrice et unité aux yeux des autres screens. Mais si cette opération scène la folie et la mort, il y a d'autres effets néfastes. Elle constitue par ailleurs un atout majeur. Par exemple, le tripode vengeur est un tripode d'assaut mutant équipé d'un rayon de conversion, dont un corpulence encore plus impressionnant que celle de la tripode d'annihilation utilisée par les forces conventionnelles des screens. En gros, le rayon est encore plus fort. Vous récupérez du Tiberium, le rayon est encore plus fort. Voilà. Clairement, vous faites attaquer de partout. Il est en marche au moins. On est parti. Commandement central du Node pour vous servir. Je capte plein d'interférences, c'est pas normal. On en est où? Bah, ils... Je viens de vous présenter, voilà. Donc leur main des de base, ils ont... Leur souci, c'est qu'ils ne possèdent pas un vaisseau planétaire, tout ça. Cependant, leurs tripodes sont ultra puissants. Sélectionnez aussi. Ça, on va pas gagner. Je ne peux pas vous laisser vous connecter au Tassus. On a pu évacuer le WC. Je ne vous laisserai pas inaugurer l'âge des machines. Non, je ne serai pas votre esclave, je ne vous... Qu'avez-vous fait? Ça se retournait contre vous. Nous perdions le contrôle. Vous doutez de moi? Kylian, oui. Oui, elle est morte maintenant. Seulement parce que j'ai donné l'ordre d'attaquer Sarajevo. C'est Kylian qui l'a donné. Non. C'était moi. J'ai ordonné à Légion de se faire passer pour le général Qatar et d'attaquer le Temple Prime. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su voir le danger qu'elle représentait. Elle vous aurait trahi, de toute façon. J'ai ordonné son exécution. Emmenez-la. Interrogez-la. Et surtout, ne l'aménagez pas. La paix. Par... la force! Et c'est là-dessus que se termine cet épisode. Et oui, quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder cet épisode. J'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois et ça porte tout bien. Et à ciao tout le monde. L'épisode est très long, donc je vais faire assez court. Allez, à ciao tout le monde. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo.